Hey, bonsoir à tous à toutes et bienvenue. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Satisfactory, bienvenue pour la suite. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, un épisode de la galère. Encore une fois, j'ai encore galéré et j'ai encore foiré mon épisode qui ne s'est pas enregistré l'épisode précédent, enfin l'épisode actuel que j'ai déjà pré-enregistré en partie, mais j'ai bien fait de vérifier. Voilà, donc c'est la deuxième fois que je recommence cet épisode. Donc bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on se retrouve donc pour continuer ce bâtiment là. Donc qui est tout simplement notre zone de stockage des différents fluides, voilà. Donc c'est aujourd'hui un épisode où nous allons nous concentrer à faire diverses choses. Et notamment nous allons faire évoluer toutes nos installations, c'est le projet. Voilà, donc on a 2-3 modifications à faire que j'ai détectées au fur et à mesure qu'elles étaient nécessaires. Notamment déjà, un truc qui est important par exemple, hop là. C'est que certes nous avons ceci, mais celui-ci il va falloir le décaler. Il va falloir le décaler. Hop là. Voilà. Ici pour qu'il puisse passer à travers le mur. Alors de manière droite, ce serait appréciable bien sûr. Donc nouvel épisode alors que hop là. Notre projet avance. Et qu'en vrai j'ai pas mal d'idées aussi pour la deuxième partie du plan qu'on devrait faire. Mais ça, ça va arriver avec le temps. Une chose aussi qui m'était venue à l'idée, c'est que... Hop là. Voilà. Hop là. Voyons voir. La sortie principale ici. Ensuite, il va falloir mettre un repère là. Ce sera très bien. Ok. Et donc d'ici, il va falloir évidemment 2-3 modifications. Il y a 2-3 petits détails qui nous ont manqué et que je vais exprimer au fur et à mesure. Donc déjà, ça va permettre de faire donc la sortie bis, la sortie qu'on avait ratée ici, que je voulais pas faire parce que j'arrivais pas à la faire proprement. On va la faire là, ce sera déjà une très bonne chose. La question que je me pose, c'est encore une fois... Ah, du premier coup. Hop là. Ok, et ça c'est droit, c'est parfait. Voilà, donc... Hop là. Voilà. Beaucoup mieux. Hop là, donc ça. Donc, il y avait cette modif là, à faire. Il y avait une autre modif, une modif importante. C'est que, en fait, si vous pouvez observer, donc, notre entrée va être là. Ça va faire ça, hop, ça va passer là. Ça va pouvoir passer là-dedans, remplir tout ça. Hop là, partir par là. Le problème est, et le problème majeur, j'ai envie de dire, c'est que nous avons, pour la sortie du petit réservoir, celle-ci. Sauf que celle-ci nécessite de remplir obligatoirement celui-ci et celui-ci pour pouvoir se vider. Donc il va falloir faire une sortie alternative qui va partir de là. Voilà, on va partir là-dessus. Partir sur ce principe. Tac, tac, tac. Avec... on va voir ça. On va voir comment on va se démener. Je pense que ça va être une réelle difficulté. Donc il va falloir une valve, donc ça veut dire par là. Voilà. Et donc d'ici. Ok. Voilà. Et donc. Le méthode le plus simple, ce serait de faire ça, mais c'est laid. Donc moi, ce que je pense faire... Ça va être... Comment on va faire ça? Hmm...
Comment je vais faire ça, mince. En fait, l'intérêt, ce serait de pouvoir... placer là. Comme ça, comme ça. Voyons voir. Non, ça fait une courbe à la con. Ah. Ok, on va voir ça. On va essayer de faire un truc droit. Et voir pourquoi. Voilà, ça a l'air pas mal. Il va me falloir... Oui, alors... Ok, c'est à la sortie par là. Est-ce que si je fais ça, que je retire ça... Je retire ça puisque ça, ça n'a pas d'intérêt. Que je mets en horizontal tout vertical. Que je place ça là. Et que je place ça là. Est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer, ça a l'air d'être propre. Tac, 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 tac. Ok. Donc ça, voilà. De ceci, il va falloir bien sûr faire une sortie bis. Voilà, voilà. Hop là. Je m'en doutais que ça allait faire ça un jour. Voilà. Mieux. Ok. Alors oui, effectivement, je n'ai pas forcément réfléchi à comment on allait nommer tout ça, hein, je l'admets. Ce n'est pas si grave, déjà, il faudrait que ce soit effectif et efficace. Avant tout... Et en vrai, dans l'absolu, ça me paraît pas trop mal, hein, qu'on soit clair. Donc on a l'entrée principale, la sortie principale qui seront là. Enfin, oui, la zone de transfert. Comment on pourrait appeler ça? Oui, la sortie, oui. Voilà. Tac, 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 tac. Une fois, ouais, les noms, ça va être compliqué. Hein. Les noms, ça va être compliqué d'en trouver des bons. Est cohérent, mais bon, on va pas s'inquiéter là-dessus. Tac, tac, tac. Alors. De ceci, déjà, on a pas mal de choses de fait. Et de ce fait, c'est pas mal. En vrai, c'est pas trop mal. Parce que... Alors, faut qu'on réfléchisse aussi à l'entrée. Alors ça, c'est une réelle question. Et à l'électricité, d'ailleurs, de manière globale. L'électricité... Attendez. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir vite fait là-bas. Comment... Et à quoi cela ressemble? Ça, c'est la réelle question que je me pose. On enregistre toujours, tout va bien. J'ai pas trop d'emmerde dessus. Dans l'idéal, j'aimerais bien commencer à poser les premiers... Mais avec le temps que ça nous prend à chaque fois pour qu'on construise un plan, j'ai peur qu'on ne finisse que tout juste le bloc. Après, bon, s'il faut juste le mettre une dizaine de fois, ça va pas être trop compliqué, mais bon. Ça, c'est un autre détail. Ok. Voyons voir. Voyons voir. Donc là, nous avons notre bloc. La pompe la plus haute, elle est là. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant... Alors, ça déjà, il y a un truc que je pense faire depuis maintenant quelques jours. C'est de le supprimer. Certains vont me dire pourquoi. Pour une raison extrêmement simple. C'est que je veux... Alors, pour la reprendre et la replacer...
de manière correcte par rapport au sol. Voilà. Évidemment, dans le bon sens, ce serait appréciable. Donc ça, voilà. Donc là, on a un beau bloc. J'ai eu 3 par 3, c'est ça. Hop, c'est parfait. Ok. Et donc, d'ici, il va falloir... Voilà. Parfait. Retirer tout ça. Ensuite, il va falloir... Ah, et donc l'entrée, on va pouvoir la faire seulement ici. Je suis en pleine réflexion. En pleine réflexionnade, devrais-je dire. De comment je vais faire tout ça, mais... Il y a des idées qui sont à exploiter. Puisque, encore une fois, tout n'est pas forcément prévu à l'avance. Voilà, voilà, voilà. Oh là, quel plaisir de mettre autant de Toyo. Ensuite, jaune, blanc, rouge, orange plus foncé, violet, vert, gris. Jaune malade et pétrole. Ok. Sachant que techniquement, si on fait la première zone, je pense que ce serait l'eau. Donc là, ce serait celui de l'eau et donc ce serait bien. Je pense qu'on va faire un test. On verra. Mais on va faire potentiellement, on essaiera d'ajouter une... On pourrait appeler ça. Un packager. On pourrait essayer de greffer directement un packager pour faire des tests. Ça pourrait être intéressant. Je pense dans l'absolu. Alors. On va le brancher là, mais à tout moment, ça va me poser problème. Ça, vous pouvez en être certain. Hop là. 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 Voilà, c'est beau. C'est beau, ça fait un petit éclairage. Tamisé. Et on voit que c'est allumé. Un petit peu la silhouette au fond de notre installation que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ok. Donc là, ça, ça va être pas mal. Maintenant, ce que je me dis, moi, à côté de ça, c'est que donc, la tuyauterie va passer par le sol. C'est pas un souci, dans l'absolu. Par contre, ce qu'il me faudrait, c'est... Hop là. Une entrée par là. Si on peut essayer de faire ça comme ça. On va voir ça. Hop là, sachant que après cela, il va falloir des blocs. Et les blocs, ça va être une partie du plan qui veut les amener. Et donc on va pouvoir faire toute une installation de ce côté-là. Notamment potentiellement un... comment on appelle ça? Non, pas ici, ce serait dommage. Bon, on va. Mais un hypertube qu'on pourrait placer juste là. Ou dans cette zone-là, dans ce carré-là. Là, on aurait un chemin à l'intérieur, en interne. Pour aller chercher et rentrer dans les bâtiments. Et dans les différents axes. Là, on a le bâtiment qui, globalement... connecte tout. Ce qui est pas mal. Alors. Ceci étant dit, en vrai, on n'est pas si mal. Donc, il va falloir juste que je réfléchisse. Donc, à l'entrée, pour le moment. L'entrée, électricité. L'électricité, faut qu'elle passe depuis... Est-ce qu'il faudrait que j'active ça? C'est quoi ça? C'est un prise murale. Est-ce que si je peux pas la transformer en une MK2?
Attends, on va... Je pourrais la transformer en MK2. Non, puisqu'elle est trop basse pour que ce soit une MK2. On va mettre ça. Alors c'est... Hop là. Voilà. Donc globalement, il faut que ça passe obligatoirement par cet interrupteur pour pouvoir alimenter le reste. Donc ça alimente... Et ça va alimenter depuis là. Très bien. Ok. Donc ça passera effectivement par derrière. Que l'alimentation de base aussi, tu me diras. Ouais, donc on aura un... Ok. Alors deux câbles, un qui va jusqu'à le bâtiment. Tac, 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 tac. Ok. Ok, il y a des idées. Il va falloir bien les travailler et qu'elles mûrissent. Mais réactives. Et voir si on peut développer tout ça. Dans notre zone, dans l'absolu, en vrai j'y crois. J'y crois dur comme fer, il n'y a pas de raison, il y a genre zéro raison. Le tout c'est ne pas se tromper. Alors, voyons voir sur notre plan. L'électricité, pour le moment elle est là. La pompe, et je pourrais pas la mettre. Dans ce sens-là. Comme ça, voilà. Et comme ça. On regarde ici ce qu'on fait. Ce qu'on pourrait faire. Ah, on pourrait faire juste un petit bâtiment, entre guillemets. Ah, si on va faire ça, je pense. Je mets ça dans ce sens-là. Ça peut être une option aussi, hein, tout à fait possible. Après, pourquoi mettre toujours une porte alors qu'on peut juste mettre ça? Voilà. C'est très bien. Et on va mettre... comme des murs. Bien. Je l'ai calé de 1, c'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Ok. C'est très perturbant de ne pas faire le mur de gauche quand même. Enfin le mur de droite pour le coup. Alors. Donc ça... arrive là. Est-ce que je mettrais pas un bâtiment avec un niveau relativement haut? Ce qui fait que l'on pourra passer à l'intérieur le câblage. En fait, il faut juste regarder ce que ça donne à la fin. C'est bizarre avec un pot aussi incliné. Ouais. En fait, ça fait bizarre aussi que ce soit aussi haut, tout simplement. Qu'est-ce que je peux pas mettre? Option basique de 2 mètres. Oh, vous êtes sérieux? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Et comment je fais pour le mettre? Et comment je... Le jeu il fait des fois avec... avec le cul, faut le dire.
si je vais être obligé de faire ça quelque... Ou je fais ça comme ça. Comme ça. Je passe juste ça là. L'étage se bloque. On met en gros... En gros, faut vous imaginer que là, il y aura un couloir. Un couloir qui va permettre d'accéder aux différents bâtiments. Enfin, à différentes zones. D'ailleurs, en vrai... Pourquoi mettre ça là alors qu'on pourrait mettre là? Et avoir potentiellement le mur de ce côté-là. Et donc là, on mettrait la porte de ce côté-là. On va la mettre au centre. Ok, donc là, on arriverait ici. Là, on aurait un box, entre guillemets. Avec les... Et pourquoi vouloir faire un cliné comme ça alors qu'on peut peut-être juste faire... Comme ce... Comme ce, comme ça, comme ce, comme ceci. Voilà. Avec juste un petit mur là. Et donc d'ici... Je pourrais limite faire ça. Non, ça n'aurait... Enfin, c'est pas que ça n'aurait pas de sens. C'est que ça a retiré tout l'intérêt du truc. Ok. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, il faut que je mette de ceci. Alors, on va... Juste pour avoir des repères. Merde, il manque des câbles. Ok, on va aller chercher les câbles. Allez. Voilà. Et des câbles et tout autre... objet de forte utilité. On va voir ça. Une fois que ceci sera fait, techniquement le... Le plus dur du... J'allais dire le plus dur du bâtiment sera fait. Pas forcément, ça dépend comment on configure la suite. Ça dépend comment on configure les... réservoirs. Je suis en mode... À chaque fois je me dis mais il fait très sombre, mais c'est normal en fait. Cet endroit là n'est pas éclairé. Contrairement à celui-ci. Donc... il fallait des câbles. Les câbles, je suis un peu trop loin. C'est ici. Ok. Trop long, on a l'air de bien plastique. Peut-être quelques plaques en fer quand même. 4. Une petite stack de tiges. Je vais en faire plusieurs, à mon avis il va falloir un peu de stator aussi si je veux faire des moteurs. Voilà. Ok. Voilà, c'est parti. Voilà, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas exploré. Hein. Je sais que c'est pas forcément les épisodes qui sont les plus intéressants. Le plus intéressant du jeu, ça reste la construction, mais avoir des disques durs, ça reste quand même un essentiel hein, dans le jeu. C'est un must-have. C'est quand même bien éclairé. Tiens, on va faire un test. Si je change les couleurs. Bon, c'est pas la couleur la plus forte, celle-ci. Ouais, non, c'est pas... C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est encore... Encore de la lumière blanche en plus de la lumière bleue. Ouais, c'est ça, c'est très bizarre. C'est à moitié bugué, ça, encore. Hein. Le jeu est pas totalement bien fait là-dessus, encore. Donc,
encore du travail à faire, j'ai l'impression. On a les deux couleurs qui se superposent. Autant là, ça fait quand même une grosse différence en fait. Ça fait sur le faisceau en lui-même, ça c'est blanc et sur les contours c'est bleu. Et même ça se voit, c'est pas du tout le même bleu, c'est beaucoup plus clair. Enfin, voilà. Donc là, voilà. Donc. Quoique, est-ce que... Non, on va juste mettre un interrupteur. Un peu la pompe, pipeline MK1, voilà. C'est où? Interrupteur. Voilà. Il y aura les deux à changer. Sachant que lui, il y aura un aller, un retour. Faudra pas se tromper. Et donc, on va l'appeler. Je sais pas comment on va pouvoir l'appeler. Il y aura probablement un nom. Ce sont les noms. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas trop ça non plus. Ok. La porte d'entrée, ça s'est placé. Faut tout connecter, c'est une certitude. Juste réfléchir à ce que j'ai tout. Oui, parce qu'au final, donc on a la sortie 1 et la sortie 1 bis. Donc. Bon, on peut... On va appeler ça accès. Envoi alternatif. Un envoi. Je sais pas, je suis une brêle en orthographe, c'est une catastrophe. Ensuite, là. Bon, déjà, si j'arrive à copier-coller tout ça, c'est bien. Envoi ferroviaire. Ah, un envoi encore une fois. Ok. Ça marche toujours. Arrivé direct comme ça. Non, c'est... mettre. Transport. Alternatif. Et on met transport ferroviaire. Ok. Là, donc là, voilà. Comment ensuite on va avoir les noms? Les fameux noms. Hein. Donc. On va mettre sortie directe. Donc là déjà c'est pas dans mon sens en plus la valve. Ouais, elle est dans ce sens là normalement. Ouais, parce que ça monte par là, ça revient et ça redescend par là. Donc là ça va être... Ah, de toute façon, on va fermer toutes les valves. Hein. Ce sera plus simple en par défaut, comme ça on fera pas de conneries. Ok. Ok. Ah, il y a peut-être une petite idée aussi qu'on va ajouter, mais on va voir ça juste après. Hop là. Donc, transport ferroviaire, transport alternatif. Je mets avec un S puisqu'il y a possibilité d'avoir d'autres choses. C'est la sortie directe. Ensuite, là, c'est là. C'est la sortie
Herbes primaires. Ensuite, là, c'est la sortie. Réserve secondaire. Et là, est-ce que ça passe? Mais voilà. Et là, la sortie de la réserve secondaire bis. Attendez. Oui, effectivement. Pourquoi avoir mis cette valve-là, forcément? Elle n'est pas forcément utile. Elle n'est pas forcément utile. Et... Attendez, je suis en train de réfléchir. Oui, non, on va... On va la retirer. Comme ça, c'est-à-dire qu'on peut retirer un panneau et ce sera plus propre. Donc là, c'est... Comment j'avais appelé ça? Merde, comment on pourrait appeler ça? Transport ferroviaire, tac tac tac, sortir. Donc là c'est... Alors... Accès, stockage, primaire. Accès, stockage, secondaire. En gros, alors, c'est particulier à dire comme ça, mais effectivement, ça, techniquement, c'est le stockage secondaire, mais c'est le primaire, enfin, c'est... Tout dépend des formules, mais vu que c'est le plus petit, pour moi, c'est le secondaire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Transport ferroviaire, sortie directe, tout ça, c'est pas mal. Donc, il y aura une valve à placer, mais ce sera placé dans l'autre plan et pas dans celui-ci. Et ça, on verra ça un peu plus tard, puisque c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc ça, ce sera bon techniquement. Je vais juste vérifier. Ouais, ça va le faire comme il le faut. Là, on a ça. J'espère que sincèrement, ça va fonctionner. Hein, parce qu'autrement, cette U n'a strictement aucun intérêt. Alors, ensuite, il y a une chose que je veux ajouter, c'est des... Comment on pourrait appeler ça? Bon, on peut se promener un peu partout. Mais on n'a pas forcément accès à ces aux deux valves là. Alors on pourrait peut-être par là et par là, mais c'est un peu hasardeux. J'ai envie de faire un truc un peu plus propre. Un peu. Donc on va voir ça avec... Hop là. Là. Merde. Ah ouais, ça va. Là, ça fait vraiment une vraie usine. Hein. C'est la galère pour tout placer. Oh non. Hop là. Et on va le décaler de 1. Je peux pas le décaler. Très bien. Un plaisir. Non. Donc, il va falloir que je le mette sur la ligne. Mais est-ce que c'est pas ce que je viens de faire? Je crois, hein, parce que là, à mon avis... à moins que je fasse... Ça... Ça... Mais non. Ça bloche pas ici, en tout cas. Il va falloir trouver une autre solution. Ok. Mira, ici c'est tellement encombrant en fait ce bloc. À moins que j'arrive à... Ah, ce bloc me pose problème en fait. Attendez. En fait l'entrée est là.
Dans le pire des cas, ce que je peux faire, c'est sinon entrer, je la mets. Là. Comme ça, celui-là, je le retire là. J'offre l'option de monter. Ici. Avec une passerelle qui peut aller. Alors. Pas exactement. Là. Je peux l'avancer de 2. C'est juste. C'est archi juste, mais ça a l'air de passer. Là. Voilà. Donc là, on peut mettre un garde-corps. Ok, juste ce côté-là, en fait, à enjoliver à peu près. Est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, il y a un intérêt clair à aller par là. De toute façon, il y a de l'intérêt à aller partout, en fait, ici. Une catastrophe. c'est tellement... C'est tellement un foutoir. Mais en fait, c'est un foutoir que j'aime bien. C'est en fait, ça paraît désorganisé, mais c'est extrêmement bien organisé, justement. Et c'est ça qui... C'est ça qui, je trouve, a son charme. Oui, parce qu'en plus, là, les deux sorties, il faudra juste faire attention à ce que c'est sorti. Non, techniquement, elle aura largement la hauteur manométrique. Hop là, et donc là, techniquement, tu auras tes deux valves, donc là, c'est bon. Alors, le fait est que ça me paraît un peu simpliste comme ça, donc il va falloir retravailler un peu tout ça. Non. Comment je pourrais faire ça? Comment je pourrais faire ça? Parce que lui, c'est très spécifique hein, comme placement. Hein. Je peux pas le mettre autre part. Donc, je suis forcé de le laisser là. Après, si je décale le 1... Ça comme ça, on est un peu plus compact. Ça a l'air d'être mieux. Eux, ils ne serviront de toute façon probablement pas beaucoup, à moins que je fasse ça. Et donc, je pourrais essayer de mettre un garde-corps ici. Ouais, mais non. Par contre, ce que je pourrais essayer de faire, c'est... je sais pas ce que je pourrais faire. Comment je pourrais rendre tout ça organique, c'est ça le problème. Déjà, je pourrais mettre des pylônes. Alors comment on pourrait faire des pylônes? Il y a un peu... Bon, le pas si petit le pylône là. Le support de poutre. Ah, ça a l'air mieux déjà. Ça a l'air d'être plus... plus crédible en termes de format. Je fais ça, que je fais ça. Ça traverse pas. J'aime bien. Après, ça peut être style... Oh, attends. Est-ce qu'on peut les peindre? Non. C'est une tristesse. Eux, on peut les peindre. Bon, si on fait ça... Avec ça. J'aime bien. J'aime bien. Ça fait un côté métallisé. Oh, c'est pas si dérangeant ce petit ce micro-clipping là. Ça fait limite un effet. C'est plutôt joli. Et genre, je pourrais en faire un. Alors. La question c'est où? Alors. Il faudra que je le mette là. Dans le pire des cas. Voilà. Oui. Ah bah faudrait peut-être alors... Merde. J'étends la plateforme jusque là.
Après... Ah mais le problème c'est que si j'étends jusque là, faut que je trouve un intérêt à cette passerelle. Une fois je suis en train de m'étendre beaucoup trop longtemps sur quelque chose d'anecdotique. Après l'avantage c'est que si je mets ça là... Je vais mettre une poutre... Genre par là... Plus loin. Non, ça a l'air d'être là, pourtant. Voilà, donc ça. Déjà, cela dégage. Voilà. Un pilier, deux piliers. Mais à quoi ça pourrait servir? Une plateforme pareille. À moins que j'y mette l'électricité. À moins que je place l'électricité dans ce coin. Et à ce moment-là, la plateforme aurait un intérêt tout autre. Là, si je mets... Ouais, non, mais ça fera aucun sens. Si je mets ça... Pourquoi mettre ça? Voilà, un garde-corps. Bon, ça fait... Ça fait mi-sens, mi-molette, hein. C'est... Limite. Je peux essayer de faire. C'est... Ça, puis ça. J'essaie de réfléchir un peu, ça pourrait être utile comme ça. Ça pourrait être un peu plus utile. Un peu plus digne d'intérêt. Parce qu'en fait, je me vois mal monter jusque là. Pour ajouter un intérêt supplémentaire. Après, là, une plateforme comme ça, en vrai, ça... Ça va, ça, j'aime bien. J'aime bien le principe. Ça, mais ah, limite celui-là on pourra le dégager. Ce qu'on va faire c'est que celui-ci va, les câbles vont disparaître dans le mur, faire tout un petit bricolage pour que ça passe directement depuis ici. Comme ça, hop là, on branche là, là, et on branche tout ici. Et comme ça, on sera tranquille. Et c'est pas trop mal comme ça. Ça donne un intérêt supplémentaire à cette zone qui est, pour le coup... On va pas dire un peu nul, mais... ton intérêt est... Regarde ça. J'ai éteint toutes les lumières. Encore de la lumière. C'est quand même exceptionnel. Non, en vrai, ça a l'air good. Ça a l'air good, ça a l'air fonctionnel et ça a l'air viable. Ça tombe bien parce que ça va bientôt faire une... Au total, en deux épisodes, ça va faire pratiquement une heure et demie qu'on est dessus quand même, je crois. Hein. Donc ça va être pas trop mal. Ça va être temps que ça ressemble à quelque chose. Donc les noms sont bons, les noms sont cohérents. En fait, ce que je veux voir, c'est est-ce que... Bon, déjà, ça, au final, on peut le dégager. C'est... Hop, là, tu peux te promener. Là, tu vas avoir accès aux différentes valves. Je peux pas... Alors, j'ose imaginer que je ne peux pas. On va essayer. Non, on peut pas.
peut pas simuler. Transport ferroviaire. Donc là, c'est pour... Transport ferroviaire. Là, c'est... Transport alternatif. On va voir. Ça, 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 ça. Ok. Non, ça a l'air good. On va faire ça comme ça. Alors. On va appeler ça... Entrée fluide. Stockage. V2. Définir un répertoire. Modifier. Une sous-catégorie ici. On va mettre... Stockage fluide. Il y a modification, ajouter le plan là. Ok, jusque là tout va bien. Sélectionner une icône. Okay, on va prendre la valve. On va mettre ça en noir parce que pourquoi pas. Ça changera. Voilà, ensuite on va... Est-ce qu'on vide le modeler? En vrai, est-ce que je suis satisfait? Dans la globalité, oui, il y a juste les raccordements différents à faire, mais ça, ça va se faire avec le temps. Donc j'y crois. Alors, quoi faire? C'est vider le modeler, tout prendre, et maintenant on va juste vérifier, est-ce que je peux en faire deux? J'aimerais en faire deux à la suite. Ok, il manque de moteurs, ça tombe bien, j'ai pris ce qu'il faut pour faire des moteurs. Ok, juste à placer là, à se mettre là, en faire quelques-uns. Et ce serait une très bonne chose. Je vais voir si je peux même limite en préparer pour en avoir 3. Donc il en faudrait 12. Et comme ça, après, dès que ça c'est bon, on aura juste à enchaîner les milliers et les milliers de... Enfin, plutôt la dizaine de blocs successifs à faire. Puis après, il y aura juste à refaire le plan suivant. Alors l'avantage, c'est que vu que c'est en plan, encore une fois, c'est soumis... Enfin, c'est la possibilité d'être modifié et être mis relativement simplement. Une fois, le but, c'est d'uniformiser le maximum pour pas qu'il y ait de choses un peu bizarres qui se passent, de magouilles foireuses. Je veux dire comme ça. Alors, notre bloc. J'avoue qu'avec les couleurs en bas, ça fait kitsch. Ça fait très très kitsch. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de ligne aussi. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de faire de ligne en ce moment. J'avoue que c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas... Bien. Hop là, en même temps, tu me diras, fallait peut-être que je supprime d'abord. Hop là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... un câble là. Un câble là. Oh merde. Bah super. Le jeu qui plante, un plaisir. Vais-je réussir à finir ma vidéo? J'espère juste qu'il n'y ait pas... J'espère juste qu'il n'y ait pas de... Que la save n'a pas été trop loin. J'espère juste. Quel enfer, pourquoi? Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas. Oh. J'ai peur. C'est où? On en est où? Non, les pylônes sont là. Ok. Donc si les pylônes sont là, c'est qu'on est pas trop reclus par rapport à ce qu'on avait fait. Voilà, donc là c'est bon. Par contre, bah évidemment, maintenant que c'est bleu, bah c'est bien. Ah, c'est bien bleu, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ah, ça fait un... Ça fait... ça fait très bizarre. Vu comme ça, on a vraiment l'impression que tous les bâtiments sont bleus. Est-ce que si on change et qu'on met une couleur... couleur mauve. C'est un peu buggé quand même, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, on va pas se mentir. C'est pas grave. Alors ça, c'était bon. Ça, c'était bon.
Le tuyau là avait été retiré. Ça, je viens de le retirer. Ok, il y avait ça. Qu'il faut qu'on passe. Une sorte de pseudo-excroissance par là. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était bon. Ok. Donc ça, pas trop de soucis. La seule chose qu'il fallait, c'est donc ça qui est branché par là. Et ça, en vrai, on peut le retirer, limite. Pour simplifier encore plus le câblage. Enfin, le câblage apparent, en tout cas. Mais juste là, et comme ça, on est tranquille. Ok, là, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. J'ose espérer que c'est bon. Là, j'avoue qu'on avait stagné un peu pour rien. Ça, c'était bien fait. Ok. Non, il n'y a pas l'air d'avoir trop de problèmes dans l'absolu de ce que je vois. Tout a l'air fonctionnel. Parfait. Ok, donc là. Redéfinir un répertoire. Infrastructure partielle. Là, sous-catégorie. On va appeler ça... Ouais, ça, tu me diras. Je vais la placer là. Donc ça. Appliquer. Là. On va l'appeler... Donc, c'était... machinerie, stockage, fluide, sélectionner l'icône. On va la mettre en grise, puisque c'est de ça. Je sais pas ce qui a fait planter le jeu, mais bon, en tout cas, ça a fait bien planter le jeu. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ben, j'avais pas de doute. Je veux juste vérifier ça en vrai. Est-ce que je laisse ça comme ça? Ouais, ça va être pas trop mal en vrai. Ça donne ça en plus. C'est pas... C'est, je trouve que c'est un peu différent de ce qu'on fait habituellement, mais ce n'est pas trop un souci. Ah oui, évidemment. Vider le modeleur. Là, tout prendre. On va faire nos moteurs. Et on va éviter que ça plante. Did you? Bon, il en faudrait quand même un peu plus, hein. Faudrait un... Là, je peux faire combien, là, de plans? Ok, je peux en faire 4. Ce qui est largement suffisant à l'heure actuelle. Ok. Donc nous repartons alors que notre serre ici est inactive depuis maintenant beaucoup trop longtemps. Mais qui elle est prête pour le Noël prochain. Je sais pas si on fera du Satisfactory encore l'année prochaine. Je sais pas. À vrai dire, vous me direz, on va pas très rapidement. C'est possible. Mais il faut pas que ça tire trop en longueur pour rien non plus. Donc on va voir en fonction de comment on évolue. Et après, c'est sûr qu'à faire des bâtiments comme ça, c'est sûr qu'on en a pour des siècles. Hein. Donc. Là, c'est bon. Ensuite, donc là, l'entrée sera ici. Plan. Là. Bon, faut pas se foirer. Donc là, techniquement, c'est comme ça. Et pas autrement. Voilà. Avec tous les pipelines qui se placent, c'est beau. Ok, donc il y a toujours les petites rectifications à faire, mais c'est déjà ça. Donc ça, ok. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre un toit plat. On va pouvoir faire ça comme ça, je pense. Voilà.
pas moche visuellement derrière, c'est parfait. Là, il faudra juste mettre tout ce qu'il faut. Ensuite, il va falloir... Ah, j'aime bien puisque c'est creusé, ça fait un effet de creux. Donc, on peut faire ça comme ça, on peut mettre limite. Voilà. Ça comme ça. Ensuite, on met ça à minima comme ça. De toute façon, après, il y aura tout le toit à faire. Et ça, par contre, ça va être une autre partie de plaisir. Ça va être, ça va être un autre délire à faire. Très bien. Donc là, techniquement, on est sur l'eau. Donc là, je voudrais bien le faire fonctionner quand même avant la fin de l'épisode. Ce serait quand même appréciable de voir un peu le truc évoluer. Pour le moment, donc ça fait ça l'angle. Hein. Ça fait ça. En vrai, j'aime bien. C'est bizarre, mais à la fois, c'est pas si dérangeant que ça, je trouve. Il y a ça a son petit cachet, je trouve. On verra de toute façon ce qu'on fait ici. A voir si les réservoirs, soit on les met vers l'extérieur, soit on les sort à l'extérieur. Ce qui est tout à fait possible. Soit on les laisse à l'intérieur. On fait un bâtiment en interne. Après, vous me direz, le fait d'enjoliver tout ça, ça peut se faire en post-prod. Oui, d'une certaine manière. Sachant que ce mur-là, de toute façon, sera indéniablement à chaque fois toujours le même. Non, c'est pas... On verra. On verra le visuel. De toute façon, il n'y aura que ce mur-là quasiment qui sera à changer visuellement. On verra pour les autres. Ensuite. Donc. Est-ce que je le fais? On peut essayer de faire un petit test, quand même. On peut s'autoriser un test. Pour ça, on va mettre... Production. Un packager. De ce côté-là, on va retirer ça. On va le brancher un peu à l'arrache. Mais c'est un peu volontaire. Ensuite, à côté de ça, on va mettre... quelques conteneurs industriels. On va mettre un. Deux. Donc à deux, ce sera pas mal. Ouais, à trois inclinés, mais oh... Voilà. Il est pas trop incliné, mes couilles. Et donc là, 120 par minute, c'est parfait. On a déjà mis du MK2. Ok. Mes souvenirs étaient pas si mauvais que ça. Donc ça, ok. Donc là, on a ce principe-là qui sera bon. Alors, qu'on soit clair. Pour le moment, il va falloir boucher tout ça. Soit je mets ça sur un couloir de 1. Ce qui est pas si mauvais dans l'absolu. Ouais, puisqu'après, donc ça voudrait dire... Je mets ça sur un couloir de 2. Quel serait l'avantage de mettre ça sur un couloir de 2? Ce serait de pouvoir potentiellement... et plus d'espace, sachant que... là, il y aura un bloc... Non, quoique non, puisqu'on va laisser ce creux là. Ça sera très bien. Donc, là, maintenant, des pipelines. Il y a le premier. Voilà. Alors, ensuite... passer ça là. Ah, c'est peu pratique. Hop là, voilà. On va mettre un pylône là, comme ça on aura moins de problèmes là-dessus. Ok. Donc ça, de toute façon, je pense qu'on va le faire pour tous. Ça va, c'est pas une trop grosse prise de risque. Voilà. Ça, c'est good.
Ok. La seule chose que je veux, c'est pas changer de PC pendant toute la série maintenant. Parce que c'est bon, hein. Refaire des plans, c'est tellement long. Tellement long et tellement hasardeux. Ok, donc là, tout ça c'est fixé. Ouais, ça a l'air d'être à peu près droit. Après, le problème, c'est que je pourrais pas faire beaucoup mieux, quoi. Ouais. Après, tu m'iras, c'est pas si grave. Encore une fois, ce sont les inside ici. Hein. Ce sont des zones où on n'ira jamais. Là, voilà. 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 Juste histoire de faire des préparatifs. Ok. Donc, d'ici... Là, voilà. Là, voilà. En fait, tu me diras, c'est vrai que j'étais pas en horizontal ou vertical. J'étais en... On m'écoute sur un bateau, ça fait un radeau. Non, de toute façon, je pense que je ne pourrais définitivement pas faire mieux. Donc, ok. On va laisser ça comme ça. Voilà. Merci de descendre. Ok. Donc... Là, on a une sortie, toutes les sorties sont prêtes, toutes les sorties normalement sont fermées, elles sont restées fermées, c'est une très bonne chose. Ok, donc ça, ce seront nos sorties finales. C'est dommage, on aurait pu centrer. Tant pis, c'est en vrai le... fait que ce ne soit pas centré, ça donne son petit cachet, je trouve. Alors... Là, là. Ensuite. Ouh, ça, on aurait juste pu le retirer aussi. Hein. C'est où? C'est là, là, là. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, ce sera comme ça. Ça, comme ça. Ça, comme ça. J'ai envie de le faire fonctionner avant la fin. Ça va être serré, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est tellement... Vu que c'est une zone industrielle, c'est pas forcément déconnant. Ça va. Se placer par... Alors. Ça va être le courant. On va essayer de faire ça quand même un temps soit peu proprement. Double prise murale. Non. On va hop là. Partir en simple. Alors. Elle est où là? Ouais, il est là. Voilà. Donc d'ici, ça va partir... Là-dedans. Et là-dedans, voilà. Certes, on branche tout en série, mais c'est pas trop un souci. Voilà, ok. Ça, c'est bien, ça, ça, ça. Donc, normalement, je dis pas de bêtises, si je branche là... Voilà, ça allume l'électricité. Donc, c'est signe qu'on a bien fait notre boulot. Et ça, normalement, c'est censé être allumé. C'est allumé, super. Ok. Maintenant, on va faire nos tests. Pour faire nos tests, il va falloir pas 70 000 choses. C'est-à-dire, déjà, on va vider le maximum de notre inventaire. Ok. Je suis content, je suis content. On aura réussi à le faire. Je pousse un peu l'épisode. Parce qu'on n'aura pas fait grand-chose d'autre. Donc, autant qu'on s'assure que ça fonctionne bien d'abord. Et après, on verra, on pourra les faire à la pelle.
Pas de soucis, on branchera tout et on pourra réfléchir à la suite en même temps. Là, c'est quand un fonctionnera, les 10 fonctionneront, il n'y a pas de soucis. Mais encore une fois, j'aime bien faire tout bien parfaitement dès le début. Et les modifications, les limiter au maximum. Donc faut essayer de pallier à toute éventualité. Et c'est pas toujours évident par contre, ça c'est sûr. Faut pas croire, hein, c'est très galère, hein, très, très compliqué à... Toujours anticiper, est-ce qu'il faudrait pas que je mette une pompe là. Est-ce que ça fonctionnerait mieux comme ça? Je ne sais pas, faut voir. Et on va voir. Donc il va falloir de l'eau. À mon avis, ça va être dans un conditionnement qui doit être tout au fond. Là. Ok, super. On va hop, vite récupérer un conteneur entier. On récupère le conteneur en dessous, hein, en vrai. Aïe. Hop là. Comme ça, on est tranquille. Oh là là, alors que tout est en train d'être trié. Et que ça, c'est bloqué. Parce que j'ai fou. Oh, quel con, moi, hein. Je reconnais. Bon, j'espère que ça suffira pour le débloquer. Hop, on va récupérer un stack de ça pour juste récupérer ça. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Normalement, c'est pas le genre de truc que je... sur lequel je fais l'erreur, mais bon, bah là, j'ai fait l'erreur. De mettre des produits qui sont pas dans l'usine en plus. Là, ça devrait être débloqué. Ah, mais si je l'ai pas fait qu'une fois en plus. Tu sais que je l'ai pas fait qu'une fois. C'est pas grave. Putain, non, mais il y en a beaucoup trop. Ok, ce qu'on va faire, une autre solution. La solution la plus simple. Et la plus efficiente. J'ai pas exactement les mêmes repères vu que c'est un peu. C'est fait à l'envers. Cette zone là. Ça, on peut se permettre de les jeter. Ça. On va récupérer quand même ça, faut pas déconner. Hop là. On va refaire comme on faisait avant. Je vois que je fais toujours des erreurs. Ah, je mets à l'envers. Hop là. C'est le problème, hein. Quand on fait quelque chose qui est un trieur mais qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour trier, enfin qu'on ne peut pas tout trier, ça peut amener à des erreurs. Des erreurs... enfin, merci quand même. Je me suis dit, c'est quand même énorme la quantité qui est présente, mais oui, clairement. Je me permets d'aller vérifier, hein. Le reste a l'air d'être bon. Le reste ne me choque pas, donc je considère que c'est bon. Il y a des cartouches de couleur en plus. Oui, mais non, c'est des cartouches qu'on a déjà utilisées. Passons par là. Sortons par là. Ok, ce petit schéma-là, je voulais faire quelque chose d'organique. Non! Oh, je l'ai raté, je suis dégoûté! J'aurais pu l'avoir. Si j'avais été sur un. Ouais, bon, tu me diras. J'aurais pas été allé loin. Ok. On va voir. Alors, pose la question quand même. Parce qu'en vrai, je sais même pas jusqu'à combien de bidons, d'équivalents bidons il faut pour ne serait-ce que remplir la première zone. Alors, en plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré techniquement les pipelines du dessous, qui sont quand même la base à être remplie. Si tu n'as pas ça, le reste ne se remplit pas. Bon, on va voir ça de toute façon. Hop là, on va mettre ça comme ça. Ça va être très bien.
Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étape par étape. Déjà, si on éteint tout ça, logistiquement et d'un point de vue logique, ça, ça va fonctionner, mais ça va vite se remplir puisque ça va s'arrêter à la pompe. La pompe, elle est là. Ce qui, dans l'absolu, n'est pas trop un souci. Ok. C'est parti. Donc là, on envoie de l'eau. On envoie de l'eau, mais on n'en voit pas beaucoup, j'imagine. Ça va très vite se remplir. C'est après la prochaine zone, ça va prendre un peu plus de temps. En tout cas, là, on simule... Ceci est un train. Hein. Ceci est une simulation d'un train. Donc, on va voir. J'imagine que là, ça va être quand même pas mal rempli. Ouais, c'est complètement rempli. Ah, ça laisse passer l'eau quand même. Ah oui. Ah oh ouais, c'est pas trop un souci en vrai. C'est pas trop un souci dans l'absolu. Parce que je pense que ça va très vite se limiter quand même. Et que ça montera pas, ça ira pas beaucoup plus loin. Ouais, ça a l'air d'être... d'être foutu. C'est ça. Maintenant, si j'active la pompe. La délicieuse pump. Voilà. Avec son doux bruit. Voilà, donc là c'est rempli. Là, ça va continuer à faire fonctionner à fond, veux-tu en voilà. Ensuite. Donc ça va arriver ici. Donc là, techniquement... Alors, ça doit être en train de remplir un peu le pipeline d'avant. Hein. Ça doit être... Là, t'as quelques centilitres. Après, tu me diras sinon, puisque t'as... Ah, c'est ouvert ici. C'est peut-être pour ça aussi. Hop, là. Bon, on sait que ça fonctionne. Donc là, on bouche le chemin, donc... Ah, c'est un petit peu rempli, quand même, hein, quoi qu'on en dise. Là, je sais pas pourquoi je l'ai mis, en vrai. Ça n'a pas forcément plus d'intérêt que ça. Hormis le fait que ce soit un peu plus... Tiens, d'ailleurs, ça, on va pouvoir le mettre. Logistique, passage au sol. Je sais pas. Ok, donc on va faire ça. Ok. On va voir ça. Oh putain, ouais, faut falloir que j'arrête. Au secours. Alors j'arrête, maman. Ok, je vais regarder le truc. Hop, ça c'est bon. Et donc, là on est full. De partout. Donc soit je peux envoyer ça. Ce bruit de pipeline. Oh, c'est adorable pour les oreilles, j'adore ce bruit. Allez, hop, ça part. Oh, c'est beau. C'est de la ASMR. Donc on va voir. On va voir si déjà ça arrive à atteindre là. Pas de raison, puisque normalement c'est 50 mètres. Si tout le reste est fermé logistiquement, ça va juste se remplir là. Ça va remplir ce tuyau-là, bien sûr. Ça va s'arrêter là et ça va monter dans le réservoir. Dans les deux premiers réservoirs et tout ça. Ok. Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. On va aller, je vais laisser le truc un peu tourner. On verra un petit peu ce que ça donne lors du prochain épisode. Sur ce, c'est la fin de celui-ci. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais à tous de gros 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 bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou. Là.